Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo et ça va être une nouvelle vidéo make-up supporter de Coupe du Monde. Et je vais faire le make-up spécial match Je Portugal-Uruguay. vais commencer par. On va mettre Portugal ici et l'Uruguay là. Non, je vais faire l'Uruguay là et le Portugal là parce que la dernière fois j'avais fait Argentine-France et sachant que le drapeau de l'Uruguay ressemble beaucoup, beaucoup. Ah, celui de l'Argentine, donc je vais essayer de faire quelque chose de différent, mais qui reste quand même dans le thème de l'Uruguay. Donc là, je vais faire Portugal. Portugal, c'est vert et rouge. J'ai du vert, j'ai du rouge. Je vais essayer de faire quelque chose de sympa. Donc là, je place mon vert. Là où habituellement j'aurais placé du clair. C'est un vert un peu foncé de la palette de Révolution Pro. J'ai pris le vert plus foncé. Je pourrais être amenée éventuellement à l'éclaircir avec ce vert, ce petit vert pomme qui était au-dessus. Voilà. Alors, j'ai une idée. Je vais l'intensifier avec le cheat de chez NYX, le première base. Parce que je trouve pas assez intense par rapport à ce que je souhaite, hein. Donc voilà. J'en mets pas beaucoup parce que sur mon précédent maquillage, ça faisait un petit peu pâteux. Donc voilà. C'est peut-être pas le vert que j'aurais dû prendre. Mon bourgeois. En plus, il est un petit peu irisé. Il est sublime. Oh là là, on dirait que j'ai fait un gros coquard. C'est pas grave, on va un peu estomper. Alors, je sais que vous allez vous dire, mais c'est pas très original ce qu'elle fait, ça ressemble beaucoup au drapeau français. Bah ouais, mais c'est pas ma faute si le drapeau brésilien, enfin brésilien, portugais, c'est deux couleurs, droite. Voilà. Et pas comme ça, donc ça change pas des masses. C'est sûr. Et puis, je n'ai pas dit que j'allais faire quelque chose de très, très, très original hein, non plus. J'ai envie de faire quelque chose de un peu rigolo. Donc je rajoute un ras de cils. J'accentue mon creux de paupière. Ouais, ça fait pas très vert. J'aime pas trop. Je mélange un peu du clair, un peu du foncé. Et on va voir ce que ça donne. Ah bah là, ça donne quelque chose d'un peu. Ah, par contre, ça fait des chutes. Bon, je nettoierai ça. Comme j'ai pas fait mon teint et que j'ai plein l'intention de le faire. Voilà. Je vais changer de pinceau parce que comme il a été humidifié pour essayer d'être un peu plus intense. Voilà. Puis j'ai pris un pinceau un peu plus fluffy pour adoucir parce que je trouvais ça un peu trop dur. Donc. Je vais remettre un peu du vert là. Donc là, je prends un pinceau fluffy. Temps normal, je ferais pas ça hein, parce que c'est pas du tout. Surtout si on veut faire quelque chose de précis, c'est pas avec ce type de pinceau que vous l'aurez. Sans être pro, je sais très bien que c'est absolument pas à faire. Donc voilà. Voilà. Je vais prendre un pinceau un petit peu fin, un peu crayon, comme ça, je sais pas si vous allez voir. Voilà, pour faire le ras de cils.
Alors, celui-là, je vais peut-être le faire le petit. Voilà. Parce que même si c'est un beau rouge, je trouvais ça pas assez présent, parce que sachant que le vert l'emportait trop. Ah, ma foi, c'est pas mal, hein. Ouais, je me lance des fleurs, ça m'arrive. C'est assez rare. Pour ceux qui me connaissent en privé, je suis pas du tout, du tout, du tout du style à me la péter. Et avoir une méga confiance en ce que je fais. Donc, pour ça que là, je me félicite, certes, mais c'est pas souvent, hein. C'est pas souvent. Donc là, je rajoute bien du rouge parce que je trouvais ça pas assez intense. On est quand même sur quelque chose qui est censé représenter un drapeau. Donc faut pas que ce soit que je fasse dans le petit joueuse, hein. Vraiment, j'ai pas envie de. Voilà. Faut bien se dire que ça serait un maquillage de stade. C'est pas du tout un maquillage de soirée, de choses comme ça. Où on fait dans le subtil. Enfin, j'ai vu des choses subtiles, j'ai vu des jolies choses, hein, je vais pas vous mentir. Moi, c'est pas ce que je cherche. Je cherche quelque chose que. Qu'on pourrait avoir envie de refaire pour célébrer son équipe, son pays favori, sans entrer dans un make-up de folie. Voilà, donc. Et puis, j'ai pas cette prétention à être capable, de toute façon. Donc là, j'estompe un peu quand même pour faire quelque chose de fumé. Et voilà. Donc, je vais tester un petit truc. Voilà, parce que j'ai un beau vert de ma palette de I Love Revolution. La sirène. Donc le vert qui est là. Pour mettre un peu de lumière. Parce que je trouve ça un peu sombre. Le vert, il est beau, mais c'est sombre. Je trouve ça pas très lumineux. On dirait que le rouge n'est pas très lumineux non plus. Mais. Je vais fumer, faire un petit. Voilà, un peu plus haut comme pour le vert. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Enfin, moi, c'est mon interprétation. Pour le fun, je vais faire un trait de liner. Donc, toujours avec mon liner Max & More de chez Action. Bien se marrer encore une fois parce que. Je ne fais pas de liner. Enfin, j'en fais jamais. Donc c'est ta grosse rigolade. Voilà. Voilà. Une petite couche hein, pour dire. Ça fait un rendu plutôt joli. C'est peut-être un petit coup de nettoyage sous parce que je trouve ça pas très joli. Vous en pensez? C'est pas mal? Alors, passons à l'Uruguay. Donc, l'Uruguay, c'est comme une grande croix, comme ça, et plein de traits. Donc, en alternant un bleu un peu ciel, comme pour l'Argentine, et blanc. Et sur le. J'allais faire sur mon œil, oui. Sur le côté, à peu près par là, il y a un espèce de soleil. Donc, l'Argentine, il est entre les deux bandes. Donc, il y a bleu ciel, blanc, bleu ciel. Et le soleil est au milieu. Donc c'est vrai que j'ai oublié de faire ce qui est le soleil, mais bon, pour éviter d'avoir un make-up qui est trop similaire, je vais essayer de mettre une touche de doré qui pourrait représenter ce bleu, ce soleil. Et je vais prendre des fards complètement différents parce que comme ça, je me dis bah ça donne pas du tout le même make-up puisque c'est pas les mêmes fards. Voilà. Donc je repars sur une base blanche comme pour l'Argentine. Voilà. Parce que. Et je vais essayer de le faire monter plus haut parce que du coup il y a plus de contraste. Et je vais jouer sur un make-up comme ça et comme ça en fait. Voilà. Je vais
vais essayer de faire un truc un peu comme ça. Voilà, donc ça me donne une petite base assez neutre, bien blanche. Alors, c'est un bleu comme ça que j'ai fait le choix avec mon bleu électrique de chez Bourjois et un autre bleu un peu irisé. En fait, c'est presque transparent. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est des monobulles. Tout ce que les deux monobulles que je vous ai montré, c'est des Agnès B. Bon, elles ne se font plus parce qu'Agnès B a arrêté tout ce qui est cosmétique. Ce qui est dommage parce qu'ils avaient de très bons cosmétiques. Mais bon. Donc je suis désolée de vous présenter des objets, enfin des produits que vous ne retrouverez pas forcément plus tard. Mais c'est vrai que c'est un choix. Donc là, pareil, je fais le choix de d'un petit peu l'humidifier. Que je trouvais que c'était pas assez intense. Jusqu'à là, j'avoue, ça ressemble beaucoup à l'Argentine. Mais je ne sais pas comment faire autrement, à part le fait que, bon, les couleurs ne sont pas, enfin, le bleu ne sont pas les mêmes. Voilà. Mais bon, leur base, ça reste quand même très clairement ces couleurs-là. Donc, puis, je peux pas, je fais pas un drapeau en lui-même, je fais vraiment une inspiration de couleurs. Et effectivement, ce sont deux pays qui ont les mêmes bases de couleurs. Donc voilà. Je vais reprendre mon blanc avec un pinceau propre. Et je vais le cheater aussi. Voilà. Bon, là, j'ai pris mon eau florale parce que. Finalement, voilà, je me suis dit c'est mieux. J'avais pas forcément un super résultat non plus avec le fixe, donc la base, pardon, première base. Voilà. Donc là, sur la paupière. Fixe. Je vais mettre du blanc jusque là. J'ai un truc sur. Bah voilà, c'est un poil de mon pinceau. Alors. Donc voilà, j'essaie de donner un peu de profondeur avec un peu de foncé dans le creux de paupière. Enfin, je vous explique pas trop ce que je fais, de toute façon, c'est pas. Vous le voyez bien, je fais rien d'extraordinaire. Mais ce que je sais pas. Je fais au fur et à mesure, au feeling. Voilà. Donc, je vais estomper. Bon, c'est sûr que ceux qui verront pas le titre penseront que c'est Portugal-Argentine. Ils sauront pas trop. Je suis désolée, mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Alors,
prendre un pinceau un peu plus précis et je vais faire ma muqueuse, enfin le dessous, le ras de cils. Je vais accentuer encore. Je vais y mettre un peu de blanc aussi. Comme ça. Voilà. Comme le blanc est pas très présent dans ce make-up, voilà, je fais vraiment la muqueuse blanche. Je vais remettre du blanc. Je trouve que à force de leur travailler le bleu, ben, le blanc est parti. Voilà, comme ça. Voilà, donc je vais mettre une touche de doré, je pense au niveau de par là, je pense, parce que ça pourrait faire un peu comme le drapeau uruguayen, de l'Uruguay. Donc là, pour un peu de lumière, c'est pas de la paillette, c'est vraiment d'irisé. Ça se voit pas beaucoup. Moi, je... Voilà. Voilà. Et le doré, je vais le prendre avec un petit pinceau. Je fais vraiment juste une petite tache, comme un petit soleil. Voilà. Alors, c'est vraiment... Alors, je vais mettre le crayon muqueuse, donc un crayon vert. Voilà. Voilà, donc je vais faire montrer. De liner. Voilà, bon, le liner c'est toujours aussi mal fait, mais j'y crois. Un jour, je vais arriver à le faire. J'y crois, mais de toutes mes forces. Voilà, un petit peu, pas beaucoup. Voilà. Donc, vous avez vraiment un style dans, dans ce sens-là et un dans ce sens-là. Hein. Donc, c'est vraiment les styles des drapeaux. Je pense que je vais faire l'Uruguay. Je vais faire une lèvre blanche et une lèvre bleue. On va me dire pourquoi tu prends un foncé. Parce qu'en fait, par-dessus, je vais mettre du blanc. Je vais l'éclaircir, le retravailler différemment. Parce que j'ai peur que si je mets que du clair, ça se voit pas. Voilà. Je vais mettre le scintillant. Je vais pas mettre le bleu un peu vert que tout à l'heure. Et comme il est vraiment pâle. Voyez.
Ouais, ça fait pas, ça fait encore trop foncé. Si avec du blanc. Alors, au retour caméra, ça fait foncer, mais en fait, moi, je vois plutôt clair, en fait, dans mon miroir. Enfin, plutôt clair, c'est relatif, hein. Il est déjà beaucoup plus bleu ciel. Voilà. Je vais faire le contour du bas en fait pour accentuer au crayon Kiko bleu ciel en fait. Donc c'est le numéro 104. Alors je sais que j'aurais dû le faire avant. Mais j'y ai pas pensé. On fera la, ça fera l'affaire. Je vais les poudrer. Enfin, poudrer le blanc. Donc, mon make-up Portugal, mon make-up Uruguay. Vous en pensez quoi? Bon, moi j'aime bien, je trouve ça plutôt cool. Bon, bah, je me suis un peu amusée, encore une fois. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez-moi des petits pouces en l'air, des petits commentaires. Et puis, bah, si vous avez des pronostics, ça peut être rigolo. Donc, comme je mettrai la vidéo avant le match, n'hésitez pas à mettre vos pronostics pour les résultats du match. Voilà. Plein de bisous. Bye bye, à une prochaine vidéo.